Yo! Alors aujourd'hui, on a du très gros level. Du très gros level, pourquoi? Parce que là, j'ai vu que Nakiel faisait un live et tout. Je me suis dit, allez, on va essayer de l'affronter. Et je peux vous avouer que c'était assez chaud. Donc bon, alors je suis allé sur son Twitch, j'ai téléchargé la partie de la vidéo qui me concerne en tout cas. Il y a même le poteau NeoFR qui l'a affronté. Et on a pris cher. Bon, alors c'est pas évident parce qu'en fait, il y a 6-7 de retard. Bon, pour moi 6. Et c'est pas évident du tout parce qu'en fait, voilà, c'est un jeu de réflexe. Et moi en tout cas, j'ai du mal à anticiper comme ça. Je suis jamais entraîné en mode entraînement. Bref, ça commence très mal. Il m'enchaîne, il connaît ses trucs, je pense qu'il est quand même habitué à jouer même avec du retard. Mais même pour lui, hein, ça va être difficile. Donc il n'y a pas d'excuse en mode ouais mais bon il y avait du retard. Non non non. Le mec il connaît ses combos, il sait ce qu'il a à faire, vous voyez tout de suite pour me. Voilà. Donc là je me fais un peu rect. Voilà, petit enchaînement, toujours le même mouvement hein, qu'il fait, qu'il maîtrise. Voilà, bon. Alors, je me fais un petit peu niquer. Oh putain, mais Gohan dans le coin, c'est horrible. Et puis son petit coup de pied rapide du bas là, c'est vraiment mais super horrible quoi. Quand vous êtes contre Gohan, voilà. Bon, là, je voulais faire un petit combo et tout, mais j'arrivais pas. Voilà, avec le retard, j'ai pas réussi du tout. J'aurais pu faire plus mal à son Gohan. Surtout que les barres de ki étaient là quoi. Bon. Je me dis que là, je vais essayer de le coincer dans le coin. Non, il se TP, il sait ce qu'il a à faire. Hein. Il connaît Bou plus que moi-même, je pense. Plutôt, j'essaie de lui foutre la pression. Il avait fait un petit coup comme ça, un mec. Vous voyez, il le repousse avec croix arrière et après il le reprend avec son pied. C'est horrible. Bon, là, j'essaye de faire un petit peu. Voilà, bon, là, le combat est limite un petit peu équilibré. Limite, je mets la pression, mais lui il la met encore plus. Hein, voilà, alors ce combo là, il est trop bien ce qu'il a fait. Là, c'est trop bien. C'est vraiment, voilà, il vous donne des coups. Dès qu'il vous chope, il appelle son Gohan qui fait un uppercut et il fait carré arrière carré avec Bou qui vous reprend dans les airs avec son bras. C'est génial. Faut une petite bonne petite maîtrise pour le faire. Voilà, bon, j'essaie de faire des petites feintes et tout, c'est pas évident. Mon sel sert à rien. Il me fait rebondir. Voilà, je suis encore pris dans un combo, je suis dans la merde. Là, je me dis, bon, allez, c'est bon, c'est fini, j'ai chaud. Et là, bam! Je me dis, allez, attaque random. Je me suis dit qu'il allait essayer de mettre la pression. Donc voilà, bon. Là, je suis malin, je joue bien. Voilà, je pense qu'il a voulu essayer d'esquiver, mais bon, avec le retard, c'est pas évident. Là, c'est chaud parce que je sais que son Goku lui maîtrise quand même très bien. J'essaie de dasher, de faire des feintes et tout. Alors là, vous voyez, là, je l'ai pris en bas triangle et j'ai raté mon combo. Vous voyez, avec le retard, c'est tellement pas évident que j'ai pas réussi mon combo parce que j'aurais pu vraiment retirer presque. Alors, je connais mes combos avec celle et j'aurais pu retirer 80% de la barre qu'il a. Ça pourrait changer la donne et le coincer dans le coin. Mais bon, voilà, avec le retard, c'est pas évident quoi, comme je vous l'ai dit encore. Mais il est dans le même cas que moi. J'ai essayé deux fois de. En espérant qu'il lâche sa garde, de transformer en bonbon. Bon, là c'était mort, hein, voilà. J'ai même pas eu le temps d'utiliser. Franchement, j'étais un peu deck, je vous avoue, parce que là, bam, j'ai fait le con. La dernière erreur que j'ai faite, c'est ça. J'ai essayé une attaque random. J'aurais pas dû. J'aurais pu utiliser mon petit éclair rouge, quoi. Le Sparking Blast en anglais pour faire plus de dégâts. Mais bon, c'est pas grave, c'était drôle. Un petit combat un peu chaud avec le retard. Mais ce mec a du level et on le sent bien. Vous voyez, ces mecs là, c'est pro, ils maîtrisent leurs combos, ils font ce qu'ils veulent au bon moment. Et on peut rien y faire. Voilà. Allez, peace!